Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Aujourd'hui, en ce lundi 25 mars, qui est jour de pleine lune, mais également d'éclipse lunaire, j'étais avec mon groupe du Mastermind The Creator, qui est un groupe d'entrepreneurs en fait que j'accompagne tous les mois. Et ma guidance m'a amené à faire un soin quantique. Au travers justement en fait du portail énergétique qui s'ouvre aujourd'hui en ce lundi 25 mars et qui va se terminer le lundi 8 avril lors de l'éclipse solaire. Alors, j'ai suivi ma guidance, je l'aurais offert, mais j'avais le goût en fait de te l'offrir à toi aussi, voilà, qui me suis, que ce soit ici sur YouTube ou alors en audio sur mon podcast des entrepreneurs éveillé. Juste quelques mots et ensuite, eh bien, tu vas avoir accès tout simplement à l'enregistrement du soin. Fait que je t'invite vraiment en fait pour ce soin à te déposer dans un espace calme. D'ailleurs, si t'entends un petit peu de bruit, c'est juste mon chat derrière. Donc justement, trouve-toi un endroit où tu seras pas dérangé ni par des humains ni par des animaux. Et l'idée que ce soit en fait quelques jours après même que tu écoutes, tout est ok et tout fonctionne. Donc vraiment juste en fait te trouver un endroit calme et suivre tout simplement l'audio, en fait le soin qui est à peu près d'une vingtaine, 20-25 minutes. Alors pourquoi j'ai voulu partager ça? Tout simplement parce que ce portail énergétique est vraiment puissant. Souvent on dit... On peut entendre à chaque fois, ah, ce portail énergétique, il est puissant, ah, c'est puissant, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il est plus puissant que les autres, etc. Tout simplement, d'une part, parce que c'est le premier portail, en tout cas d'éclipse en 2024, qui ouvre vraiment en fait le champ de plein d'éclipses qu'on va vivre en 2024. Aussi, l'élévation des fréquences de la Terre qui continue en fait à augmenter, augmenter, fait que ça rend ce portail encore plus puissant dans l'énergie. Et pour moi, en fait, ce que je vois vraiment quand je me connecte à ce portail, c'est comme une opportunité ici de venir vraiment, en fait, se connecter à une version de nous qui est la plus juste à travers celle qu'on veut incarner. Alors, c'est pas forcément évident à comprendre, mais tout simplement, notre nous vit au travers de différentes dimensions, multiverses finalement. Et ici, c'est tout simplement dans le soin que je vais t'offrir dans quelques minutes. C'est vraiment de faire l'expérience de connecter, soit au travers des messages, des visions, ou tout simplement au travers tout simplement de l'intention, de venir te connecter avec la version de toi, en fait, qui est la meilleure pour toi dans cette incarnation-ci. Donc, tout simplement pour t'aider finalement à réaliser ta pleine incarnation sur cette terre, et bien en fait, à chaque fois, il y a plusieurs chemins qui sont possibles. Souvent, tous les chemins, je trouve, en tout cas sans jugement, sont ok. Il y a peut-être des chemins qui vont être plus faciles, d'autres plus rapides, etc. Et le soin ici, c'est tout simplement en fait pour te permettre de voir ces différents chemins, d'en faire l'expérience dans l'énergie et en conscience de choisir le chemin sur lequel en fait tu veux marcher, tu veux vraiment venir te connecter à ce chemin-là. Voilà, tout simplement. Donc, eh bien, je te laisse faire le soin. N'hésite pas à aimer la vidéo, à partager, à commenter pour justement partager comment ça a été là pour toi. Avec une fois que la vidéo est terminée, le soin soit complètement terminé. Je t'invite, si tu le souhaites, juste, je vais te partager une question que je t'invite à te poser à la fin du soin. Fait que tu peux le noter en fait sur un cahier ou en fait voilà, mets juste pause à la vidéo, quelle que soit voilà, la manière dont tu veux l'écrire. Je la mets aussi en description sous l'épisode, comme ça tu peux la retrouver facilement. La question que je t'invite à te poser à la fin du soin, c'est la question suivante. Qu'est-ce qui est disponible désormais pour toi dans cette nouvelle version de toi? Je répète, qu'est-ce qui est disponible désormais pour toi dans cette nouvelle version de toi? Voilà, tout simplement. Eh bien écoute, je te souhaite un bon soin, une belle exploration.
enfin n'importe ce qui soit là pour toi, je vais y arriver. Et bah écoute, en tout cas, au plaisir de te lire en commentaire, ou tu peux aussi me suivre sur Instagram, coach Florent Noutsos. Si tu m'écris en message privé pour me partager ton expérience, eh bien, ça me fera grand plaisir. Voilà, merci à toi, belle saison des éclipses également, et à très bientôt. Alright. Fait que prenez, comme d'habitude, en tout cas, une position confortable dans laquelle vous allez être bien là pour quelques minutes. Vous allez pouvoir être connecté à votre corps. Fermez les yeux. Et je vous invite à prendre trois belles grandes inspirations et expirations d'inspirer par le nez. Vraiment venir inspirer dans le ventre. Et d'expirer par la bouche. Et en même temps que vous expirez, vous mettez l'intention de relâcher toutes les tensions, tout ce que vous avez besoin de laisser aller aujourd'hui. Et vraiment, pendant quelques instants, concentrez-vous uniquement sur l'air qui entre par vos narines et la bouche qui et l'air qui ressort par votre bouche. Autorisez-vous à être pleinement présent à votre corps, à votre conscience. Excellent. Excellent. Alors maintenant, on va juste faire une petite activation de votre canal énergétique. Alors, je vais vous inviter à mettre votre attention au niveau de votre chakra de la racine, donc vraiment qui se situe tout en bas au niveau du périnée. Et à venir respirer dans cet endroit. Donc vraiment, venez inspirer, expirer au niveau de votre périnée. Vous pouvez même imaginer qu'à chaque inspiration et expiration dans ce chakra racine, que vous venez puiser toute l'énergie de la terre. Imaginez tel un canal énergétique ou un canal de lumière qui descend au centre de la terre. Imaginez qu'à chaque inspiration et expiration, vous venez faire remonter cette énergie. Excellent. Et vous pouvez répéter dans votre tête, mentalement, je suis ancré. Je suis en sécurité. Excellent. Alors, on va remonter le long de ce canal pour aller activer le chakra du sacré, donc qui se situe au niveau du nombril. Et à nouveau ici, venez respirer dans cette zone, inspirer. Expirez. Et imaginez cette énergie qui remonte vient activer ce chakra, ce centre énergétique. Et à chaque activation, cette énergie vient par la même occasion harmoniser, rebalancer, nettoyer, pour que chaque chakra puisse retrouver son parfait équilibre qui est le vôtre. Et ici, vous pouvez répéter, je vis sainement mes émotions. Je vis sainement mes émotions. Je vis librement mes émotions. Excellent.
Alors, on va remonter. Cette énergie va monter jusqu'au chakra du plexus solaire. Alors, à nouveau, mettez votre attention au niveau de cette zone du plexus solaire. Inspirez, expirez dans cette zone. Prenez dans chaque zone trois belles grandes inspirations et expirations pour vraiment vous connecter. Excellent. Alors ici, vous pouvez répéter. Je suis libre. Je suis libre. Le champ des possibles est devant moi. Excellent. Je vais vous inviter à porter votre attention désormais au niveau du chakra du cœur, où cette énergie continue à monter jusqu'au chakra du cœur pour venir à nouveau activer, nettoyer, harmoniser dans la perfection et dans la justesse de ce qui est là pour vous et pour les autres. Alors à nouveau, inspirez, expirez dans cette zone. Et vous pouvez répéter, je m'accepte tel que je suis. Je m'accepte tel que je suis. Vous pouvez également répéter, c'est parce que je suis que je fais. C'est parce que je suis que je fais. Excellent. Et on va remonter comme ça au prochain chakra qui se situe au niveau de la gorge. Et à nouveau, prenez trois belles grandes inspirations et expirations au niveau du chakra de la gorge. Cette énergie va à nouveau nettoyer, harmoniser ce qui est là pour vous. Et vous pouvez répéter, j'exprime facilement ce que j'ai sur le cœur. J'exprime facilement ce que j'ai sur le cœur. Excellent. Et on va continuer à remonter jusqu'au chakra du troisième œil. Prendre à nouveau trois belles grandes inspirations et expirations en étant connecté à cette zone. Et vous pouvez répéter, je vois clairement. Je vois clairement. Excellent. Et on va remonter
Le dernier chakra, celui de la couronne, légèrement au-dessus de la tête. Je vais vous inviter à porter votre attention dans cette zone et à nouveau à prendre trois belles grandes inspirations et expirations. Et vous pouvez répéter, je suis connecté à la source de tout. Excellent. Alors, je vous invite à porter votre attention sur l'énergie désormais qui circule dans votre canal de lumière. De bas en haut, à ressentir cette énergie qui monte au travers de votre chakra racine jusqu'à votre chakra de la couronne et bien plus haut et bien plus bas que la racine. Ressentez cette énergie qui monte et qui redescend en vous, de la terre au ciel et du ciel à la terre. Juste prenez quelques instants pour être, pour ressentir votre essence divine, qui est pure énergie, qui est pure vibration. Excellent. Alors, vous êtes fin, prêt, prête à vous laisser voyager pour entrer dans ce portail. Et vous allez mettre l'intention de venir monter dans votre canal de lumière comme si vous vouliez monter dans l'espace, dans un espace où toutes les dimensions, tous les temps sont disponibles. Alors, tel un ascenseur, imaginez que vous montez le long de votre canal de lumière pour entrer dans le ciel, dépasser la couche d'ozone, sortir de l'espace terrestre. Vous pouvez même voir vos pieds, voir la terre en bas de vous, vous voir dans l'espace et continuer à monter, à monter, pour arriver au centre de l'univers. Et imaginez devant vous un vortex énergétique qui est l'entrée de ce vortex de l'éclipse lunaire. Observez ce vortex. Et observez ce qui est là pour vous. Observez ce vortex et sachez que lorsque vous entrerez, vous y ressortirez de l'autre côté complètement changé et transformé. Alors, imaginez devant vous derrière ce vortex, comme si il y allait avoir plusieurs directions, chemins possibles, comme des lignes de temps qui sont disponibles pour vous. Et j'aimerais que vous preniez le temps d'explorer ces lignes de temps. Alors peut-être que pour vous, ça peut se manifester clairement comme des images, des sons, des visions, ou peut-être que ceci n'est pas disponible pour vous et c'est OK. À ce moment-là, imaginez juste que vous vous connectez à une ligne de temps après l'autre et tout simplement observez comment vous vous sentez.
Est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez de la joie, de l'amour, du bien-être, ou au contraire, de la contraction, des sensations inconfortables? Alors, prenez le temps ici d'explorer chacune de ces possibilités pour identifier celle dans laquelle vous vous sentez le mieux, celle qui vous apporte le plus de perspective, de bien-être, d'amour, de lumière. Alors, prenez vraiment quelques instants ici pour ressentir quelle ligne de temps vous souhaitez, à laquelle vous souhaitez vous connecter, à laquelle vous souhaitez embrasser à la fin, à la sortie de ce vortex. On me dit également que vous pouvez demander ici, si ça résonne en vous, l'aide de vos guides pour vous aider à vous montrer le meilleur chemin. Vous pouvez le demander aussi simplement que je demande à mes guides de me montrer le meilleur chemin pour moi. Ou alors de m'accompagner dans ce voyage en me transmettant les informations ou les messages qui peuvent m'aider. Excellent. Et pour ceux et celles qui n'ont pas de vision ou quoi que ce soit, juste mettez l'intention d'être connecté à la fin de ce voyage, à la ligne de temps qui est le meilleur pour vous. Excellent. Alors, je vais vous demander, imaginez ce vortex comme un GPS. Et qui dit GPS dit direction. Alors, avant d'entrer dans ce vortex, je vais vous demander très clairement de penser et d'être connecté à la ligne de temps sur laquelle vous souhaitez être connecté, sur laquelle vous souhaitez que tout votre être dans son entièreté soit recalibré pendant ce voyage. Et encore une fois, si vous ne savez pas quelle est la meilleure ligne de temps pour vous, tout simplement mettre l'intention que votre corps, votre esprit et tout votre être soient recalibrés, réharmonisés à la meilleure fréquence pour vous. Je vous invite à prendre une profonde inspiration et expiration, à vous connecter à votre chakra du troisième œil et, tel un vidéoprojecteur, imaginez que votre chakra du troisième œil vient projeter sur le vortex la destination que vous souhaitez ou, encore une fois, l'intention claire, précise que vous souhaitez ressortir de ce vortex, connecté à la meilleure ligne de temps disponible pour vous. Prenez à nouveau une profonde inspiration et expiration. Et lorsque vous êtes prêt et prête, je vous invite à traverser ce vortex en confiance, en étant connecté à cette intention, à cette vision, dépendamment de ce qui est là pour vous. Alors, vous entrez dans ce vortex.
Et durant le voyage de ce vortex qui va durer pendant quelques minutes avant d'en ressortir, vos êtres de lumière, vos anges, vos gardiens, ainsi que les énergies christiques de Yeshua et des Pléadiens vont venir durant ce voyage faire les ajustements, les recalibrages nécessaires dans votre être, dans vos fréquences, pour vous permettre, lors de la sortie, eh bien, d'être pleinement aligné avec la ligne de temps sur laquelle vous souhaitez être connecté. Inspirez, ressentez ce qui se passe en vous. Vous pouvez peut-être ressentir le recalibrage qui est en cours dans votre être, des sensations subtiles. Excellent, soyez connecté à votre cœur. Imaginez ce cœur énergétique qui brille telle une étoile dans le ciel qui scintille. Et vous continuez d'avancer dans ce vortex, juste en étant, il n'y a rien à faire ici, juste d'être et de vivre l'expérience des sensations de votre cœur qui scintille, de vos cellules qui se reprogramment, de votre taux vibratoire qui s'ajuste, de vos pensées, de vos croyances qui se réorganisent, réharmonisent pour tout simplement s'aligner avec la version de vous dans cette ligne de temps que vous allez incarner. Excellent. Alors, vous pouvez commencer à apercevoir la sortie du vortex. Et vous pouvez apercevoir derrière cette sortie des images de vous dans cette nouvelle ligne de temps. Et plus vous vous rapprochez, plus vous ressentez ce bien-être, cette paix, ce calme, cette sérénité de venir vous incarner dans cette ligne de temps, venir vous connecter à cette ligne de temps. Et plus vous vous rapprochez, et plus les images se font claires, et plus les sensations se font claires, et plus vous commencez à ressentir être cette version de vous. Alors, vous arrivez devant la sortie de ce vortex et ici, vous avez à nouveau le choix conscient à faire de passer cette porte. Alors, faites le choix conscient ici et maintenant en passant le pas, en sortant de ce vortex, d'incarner cette nouvelle personne. Et dès la sortie du vortex, vous allez vous retrouver dans le vous de cette ligne de temps. Alors faites le choix conscient ici et maintenant d'embrasser cette nouvelle version de vous, cette nouvelle ligne de temps qui est disponible pour vous. Et lorsque vous êtes dans cette nouvelle version de vous, vous êtes tout simplement cette nouvelle version. Alors inspirez profondément, expirez et observez ce qui a changé en vous. Car oui, vous avez bel et bien changé.
Excellent. Excellent. Alors, vous êtes désormais prêt, prête à redescendre dans votre canal de lumière, à votre rythme. Votre énergie, votre essence redescend pour revenir dans notre système solaire. Vous vous rapprochez de la Terre et vous continuez à descendre. Vous pouvez voir là où vous habitez et vous réentrez dans votre corps ici et maintenant. Reprenez conscience de votre corps, de votre environnement. Prenez à nouveau une profonde inspiration. Expirez, excellent. Et vous pouvez ouvrir les yeux et revenir à votre pleine conscience ici et maintenant.